Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Mimic et ses loisirs créatifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer des articles que j'ai eus en partenariat avec la boutique GBFKE. C'est mon premier partenariat avec eux. Je les en remercie beaucoup. Donc, en fait, GBFKE, c'est une boutique qui vend du point de croix, du diamond painting. En point de croix, donc ils vendent des toiles, des articles pour le point de croix. En diamond painting, ils vendent des toiles, notamment aussi des toiles avec des diamants AB. Ils vendent des porte-clés, enfin des ornements, toutes ces choses-là, des sacs à diamanter. Plein de belles petites choses. Et alors, si vous commandez pour plus de 59 euros, vous avez la livraison gratuite. Et je pense qu'en ce moment, il y a une promo. Donc, si on en met 5 articles au panier, il y en a un gratuit. Et il y a 8% pour l'instant. Voilà, de réduction. Voilà, donc moi j'ai été contactée le 20 septembre et j'ai reçu le colis le 5. Ben voilà, environ une quinzaine de jours, c'est à peu près, le délai normal, hein. Donc c'est très bien. Ben, je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi. C'est un petit colis, mais ce qu'il y a à l'intérieur, j'adore! Voilà, donc je vais d'abord commencer par ce petit sac et ce que je vais faire, je vais aller chercher ma latte que j'ai oubliée. Oups, voilà. Donc c'est un petit sac à diamanter, c'est Stitch. Et c'est vrai que j'ai déjà ouvert, hein, donc je sais un petit peu. J'ai été étonnée de le voir si petit. Je m'attendais à avoir un sac un peu plus grand. Donc, je vous montre. Hein. Les diamants sont ici. Tout est à l'intérieur. Donc, il y a un fond. Vous voyez, il y a un petit fond dans ce sac. Pas très, très grand, mais il y en a quand même un. Donc on a une grande je vais pas dire lanière, comment est-ce qu'on peut dire ça? Bandoulière, je sais pas. Et voilà, aussi des petites comme ça. Donc le sac mesure, je vais dire 20 cm sur 19,5, allez. Ouais, sur 19. Voilà, alors il colle bien, il est mignon, hein. Et alors, ce que j'ai pu remarquer, ça c'est quand même un défaut. Je vais quand même leur dire de faire attention. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est abîmé ici, aussi dans le bas, dans le fond. Je vais dire, il est abîmé, vous voyez ici. Bon, moi je l'ai reçu en partenariat, donc c'est pas bien grave, mais si vous l'achetez et que vous le recevez dans cet état-là, c'est pas très, très agréable. Hein. Ouais. Vraiment, il est super mignon. Voilà. Alors, on a le toolkit, hein, avec la barquette, la cire et le stylet. Et nous avons les diamants. Je vais mettre ma latte un petit peu plus loin. Voilà. 2, 4, 5, 6, 7 sortes de diamants. Je vais vous montrer. Hein. Ouais, ils sont beaux. Hein. Ici, on a les plus gros. Les petites gouttes. Voilà. Très, très beau. Il va être joli. Donc, voilà pour ce petit... ce petit sac. Alors,
J'ai aussi choisi un organisateur de fil donc pour le point de croix. Hein. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ose pas trop le mettre droit, j'ai peur de le casser. Je vais pas l'ouvrir. Bah, écoutez, on va ouvrir comme ça les grands moyens. Voilà. Parce que je n'y arrive pas. Peut-être aller chercher des ciseaux. Mais non, ça va aller. En fait, si vous pouvez voir, il n'est pas plat. Voyez, il n'est pas plat et j'ose pas trop appuyer. Il est un peu déformé, je vais dire. Donc, je ne sais pas si je peux le mettre à plat. Et c'est un organisateur où l'on peut mettre 20 couleurs. Si c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Ah non, plus 20, 28. 28 couleurs, voyez. Bah, disons que c'est quand même bien, quoi, mais je sais pas. Je sais pas comment ça se fait qu'il est arrivé comme ça. Voilà. Alors, nous avons des porte-clés. Vous savez bien que moi, les porte-clés, j'aime beaucoup. Donc, la barquette, les attaches, la cire et le stylet. Hein. Donc, nous avons les diamants ici. Bon, je peux vous le montrer. Hein, c'est pas... dans des petits sachets individuels, donc on va les regarder ensemble. Voilà, donc nous avons 2, 4, 6, 7 couleurs. Voilà, et alors les petits sujets, les petits porte-clés, ce sont des petits pains d'épices. J'adore. Ouais, je vais éteindre la lumière, voir si on voit mieux. Mais je pense pas. Non, c'est pire. Peut-être comme ça. Ce sont des petits bonhommes de pain d'épices à diamanter. Ils sont à diamanter des deux côtés. C'est trop, trop mignon. Et nous en avons... je vérifie parce que... Donc ici, il y en a deux. Ça fait quatre. On en a six. Et c'est du plastique assez épais et dur. Donc, c'est super. Hein. Je vais bien m'amuser. Et je les ferai pour l'événement de Noël. Hein, n'oubliez pas. Hein. Donc, moi, je vais déjà faire ça. Voilà pour ceci. Et les autres, on continue dans Noël. Hein. J'ai choisi des... Allez voir tout de suite. Des casse-noisettes. Voilà. C'est tout des casse-noisettes. Ils sont à diamanter des deux côtés. Ah oui, je voulais vérifier. Ceci collait bien ou pas. En tout cas, le plastique est un petit peu... Ouais. Oh ouais, ça va, hein. Voilà. Alors, les petits casse-noisettes sont à diamanter des deux côtés, mais collent ensemble, à mon avis. Je vais vite devoir les vernir une fois qu'ils seront diamantés. Hein. 4... 6, 8 et 10. Voilà. Encore un beau petit projet à faire pour l'événement de Noël. Hein. Je vous remettrai le lien en barre d'information si vous voulez y participer. Hein. Donc, nous avons les attaches,
la cire, la barquette et le stylet. Oh, ils sont trop mignons, franchement. Je suis contente. Voilà les diamants. C'est une ribambelle. Donc nous en avons. Je vais regarder si c'est des différents ou pas. Un, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sortes de diamants. Vous voyez ? Donc nous avons les traces, hein, comme d'habitude. Hein. Je vais les montrer comme ça, c'est plus joli. Donc l'argenté, les marrons, du rouge. Ça c'est des marrons foncés. Ça je me demande, c'est du vert, je pense. Ouais, oui, ils sont beaux. Hein. Du noir, du bleu, du jaune, du rose. C'est plutôt des spéciaux. Des petites perles comme ça. Alors, des étoiles. Ici, nous avons les grosses gouttes comme ça. Encore des spéciaux. Et des mini-gouttes. Voilà. Je suis très contente de mes porte-clés. Voilà. Alors, pour l'organisateur, dites-moi, que pensez-vous? Est-ce que je peux le mettre à plat pour essayer de le redresser ou je le laisse comme ça? J'ai peur de le casser. Hein. Ouais. Et alors, le sac est vraiment très très joli. Mais bon, il est abîmé. Hein, mais bon, voilà. Je vais leur signaler de faire attention quand c'est une commande. On aime quand même bien recevoir quelque chose en bon état. Voilà. Donc, c'était ma petite sélection donc, pour des produits que j'ai choisis pour ce partenariat. Donc, hein, le premier partenariat que j'ai avec... GBFKE, je les en remercie vraiment beaucoup et j'espère que cette présentation vous aura plu. Hein. Donc, ma petite vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Peace.